Salut à tous et bienvenue devant les magnifiques arènes de Nîmes, un monument antique pour prendre le contre-pied avec ce concentré de technologie ultra moderne, le nouveau Honda Forza 750. Alors le Forza 750, c'est ni plus ni moins que le dernier Sport GT né chez le constructeur à l'aile. C'est en quelque sorte le descendant du XADV, dont il hérite une partie du châssis, une partie de la partie cycle et une partie du moteur. On a toujours un bloc bicylindre en ligne de 745 cm3. Seulement, il est un peu plus puissant, un peu plus coupleux qu'auparavant. Il atteint dorénavant une puissance de 58,5 chevaux à 6750 tours-minute et s'offre un couple de 69 Nm aux alentours des 4000 tours-minute. Outre toutes ces nouvelles spécificités moteurs, le scooter jouit dorénavant de 4 modes de conduite avec 4 cartographies différentes, 4 puissances différentes, une possibilité de jouer sur le frein moteur, une possibilité de jouer sur la réponse à l'accélérateur avec un nouveau throttle by wire. On a 4 modes, comme je disais, le mode rain, donc pour la pluie, qu'on a pu largement tester aujourd'hui, qui est quand même le mode le plus smooth. Quand on le met en mode sport, c'est le jour et la nuit. On a la puissance et le couple qui viennent très fort, très tôt, et la réponse à l'accélérateur est juste bluffante. En ce qui concerne l'ergonomie, on a donc toujours des commodos avec une très bonne finition, on a un démarrage sans clé, on a un frein de parking à la main, on a un compteur qui est remplacé par un écran TFT de 5 pouces. Le petit bémol qu'on peut trouver à ce modèle, c'est qu'il y a toujours trop de boutons sur le commodo de gauche. Et quand on cherche les clignotants, on a tendance un peu à se tromper, à taper dans le klaxon, etc. On a une boîte ultra réactive qu'on connaît depuis très longtemps chez Honda, puisque on a quand même 130 000 véhicules qui ont été équipés de cette transmission à double embrayage depuis son lancement. Le fonctionnement est tout simple. En fonction des réglages, on a des rapports qui changent tout seul de manière nerveuse ou tranquille en fonction du mode qu'on a choisi. On peut aussi passer en mode manuel pour passer les rapports au commodo de gauche façon boîte séquentielle. Lorsqu'on se place sur ce nouveau Forza 750, on se rend compte que le travail sur l'ergonomie a été important. Même pour les grands, vous voyez, quand je m'assois, je suis parfaitement protégé, les jambes tombent très bien derrière le tablier. On a même en option la possibilité d'avoir des déflecteurs. Le travail a été effectué sur l'aérodynamique. On a un pare-brise assez important. Pour les grands comme moi, il faut se baisser un tout petit peu, mais la protection est vraiment très intéressante. On a une absence de remous. Alors le seul regret qu'on peut avoir, c'est que les 125 et 300 sont équipés d'un pare-brise réglable de manière électrique. Et là, on ne peut même pas le régler de manière manuelle. C'est le petit regret qu'on peut avoir sur ce modèle. En ce qui concerne le rangement sous coffre, par un simple bouton, on peut ouvrir le coffre et on a un espace de rangement égal à 22 litres, soit 50% de plus que sur un XADV, ce qui permet de ranger un casque intégral ainsi qu'un petit pantalon de pluie fort agréable aujourd'hui. Et quand je vous dis que Honda frappe fort, il n'y a qu'à voir le prix. À 11 649 euros, on est en face d'un concurrent qui n'a pas le même équipement. Alors certes, on n'a pas les poignées chauffantes d'origine, elles sont en option, on n'a pas la selle chauffante. Mais il faut bien noter que le Forza 750 est très bien équipé et garantit 5 ans, ce qui fait de lui le modèle actuel meilleur rapport qualité-prix du marché. Merci à Johan pour cet essai du Forza 750. Et puisqu'on est dans l'actualité et les nouveautés, eh bien ça tombe bien puisqu'on a Fabrice Rocoque qui nous a rejoint, le directeur de la division moto chez Honda France. Fabrice, vous étiez sur cette présentation à Montpellier. On a vu que Johan avait apprécié, c'est le sentiment général ? Oui, c'est le sentiment général. Malgré la météo qui était un petit peu compliquée, on a eu pas mal de pluie. Mais un sentiment vraiment très positif. Alors le Forza, c'est un nom déjà qui est relativement important sur le marché moto, spécialement en France, donc avec le 125, maintenant le 350. Et puis là, la version 750, qui est une surprise, on peut dire quand même, mais qui était très attendue. Donc on a pu voir justement avec la pluie, la protection sur un maxi scooter, c'est extrêmement important. On a pu découvrir aussi des capacités aussi sur la boîte DCT, notamment avec une amélioration encore importante de ce côté-là. Donc les journalistes, globalement, ont vraiment bien apprécié. Les routes étaient aussi très sympas entre Montpellier et Nîmes. Et donc vraiment une belle unanimité. Ouais. Il arrivera quand en concession ? Il va arriver mi-décembre, on va dire. Philippe, mi-décembre, ça va pour vous ? C'est un produit qui est attendu ? Vous avez de la demande autour de ce produit ? C'est un produit attendu, on a de la demande, on a des appels sur le sujet. On pense que c'est une bonne alternative. Hein. On avait l'XADV en maxi-scooter. Là, on va avoir un Forza 7,5 qui sera plus typé route et qui correspond à la demande de l'Île-de-France.
Alors Fabrice parlait de la famille Forza 125, 350 et 750. Qu'est-ce qui est, entre guillemets, le produit phare, on va dire que c'est le 750, mais qu'est-ce qui se vend le mieux ou quelles sont les attentes sur quel modèle? Alors, si on parle de la gamme Forza au sens large, le best-seller, c'est le 125. Aujourd'hui, on a le 125, on va avoir le 350 qui remplace le 300 et bien sûr le 750. Donc aujourd'hui, un client qui rentre chez nous, il a l'ensemble de la gamme. Et si en plus, il veut un maxi scooter un peu plus typé off-road, il a l'XADV. Donc toute la gamme aujourd'hui correspond à un type d'utilisateur. D'accord. Donc on y trouve notre compte. Justement, XADV, Forza, la scission est bien faite, ça ne risque pas de cannibaliser l'un par rapport à l'autre, sachant qu'on est sur la même base en fait. Hein. Exactement, la base mécanique est la même, mais en fait le XADV a été la première réponse qu'on a pu donner sur le marché du maxi scooter en 2017. Donc ça fait maintenant 3 ans, c'est un produit qui commence à être bien établi, c'est un nom qui compte aussi maintenant sur le marché du deux roues. Mais on va dire que ce n'est pas assez quelque part pour aller capter la clientèle maxi scooter. Elle est dominée par un concurrent que tout le monde connaît, mais le XADV, c'est une offre qui a plu à énormément de clients. Mais il y a aussi des clients qui veulent quelque chose de plus typé, entre guillemets, maxi scooter, moins off-road. Un peu moins haut aussi, puisque on sait. Oui, il y a 3 cm en fait déjà. Ça joue quand même. Ça joue énormément. Ouais. Et il y a une certaine partie de clientèle, c'est vrai, par rapport à la taille, qui ne pouvait pas aller accéder au XADV. Donc, nous, en fait, le concept, c'est maintenant d'avoir une autre offre, d'avoir en parallèle XADV et Forza 750, et de doubler quelque part nos chances de succès sur ce segment-là.